un milieu naturel, c'est sûr que il doit avoir un équilibre entre les entre la terre, le ciel, l'eau, le soleil, les animaux, les plantes, et on est là-dedans. Hein? Puis on est tous attachés un à l'autre là-dedans, même si l'être humain se détache complètement, croit pouvoir se détacher, mais avec les changements climatiques, on voit que ça la rattrape. Alors, la nature qu'on protège ici, les végétaux principalement et les marécages, sont essentiels à la vie. Sont essentiels pour retenir l'eau. Un marécage, c'est une grosse éponge qui retient de l'eau. Quand il pleut beaucoup, ça la retient, puis quand il y a des temps de sécheresse, ça la libère lentement. Alors, si tu enlèves les milieux naturels, tu vas avoir un apport d'eau beaucoup trop rapide vers la rivière parce qu'il n'y a pas de rétention et ça va créer des inondations. C'est un statut. Un EFE, c'est un écosystème forestier exceptionnel. Ça veut dire que c'est dans les tops de la valeur écologique. Ça veut dire qu'on retrouve soit des espèces rares ou des espèces nobles qu'on voit très peu, des colonies, par exemple, de chênes ou de noyers cendrés qu'on retrouve à peu d'endroits. Alors, on leur donne une note. Alors, EFE, ça veut dire que c'est la plus haute note, c'est A+, si tu veux, en écologie, pour dire c'est vraiment exceptionnel, ça, il faudrait le protéger. Et il y en a plusieurs EFE dans la trame verte. Il y en a tellement que ceux qui ont fait les inventaires, M. Sabourin, qui est des grands spécialistes, a dit finalement, la trame verte serait un EFE entièrement à cause de sa valeur écologique. Alors nous, on continue à se baser sur la science pour dire qu'il faut protéger ces choses-là. Et les politiciens, bien, ils font de la politique, puis des fois, ils ne tiennent pas compte tout le temps de la science. C'est de la politique. Mais on va réussir avec le temps à les convaincre. Puis l'autre affaire dont je suis le plus fier, c'est que les gens... les gens commencent à se mêler de l'aménagement de leur territoire. Territoire, ça leur appartient. On a un mot à dire dans l'aménagement. C'est pas vrai que les promoteurs vont faire ce qu'ils veulent de notre territoire. C'est important de préserver nos forêts, c'est important de préserver nos abords de rivières, nos rivières, la qualité de notre eau. On a des règlements pour le faire, puis là, on a le droit de s'en mêler, puis là, les gens s'en mêlent. Fait que les villes, en tout cas, Hachette-Auguay, puis Hellerie ont fait un bel effort là-dessus pour impliquer les citoyens dans l'écriture et dans l'élaboration de leur nouveau plan d'urbanisme. Qu'est-ce qu'on veut comme ville? C'est nous autres, le terrain. Là. On n'est pas obligé de développer mur à mur. Vous voulez qu'on développe mur à mur? On va développer mur à mur. 20 000 habitants de Léry? Non. Les gens ont dit non, nous autres, on veut rester une petite ville. On veut préserver des milieux naturels. Bon, les villes ont le droit de faire ça. Puis là, les gens sont de plus en plus conscients que les villes ont le droit de faire ça. Puis que les villes sont obligées de consulter les citoyens puis de les consulter de façon honnête et non pas faire des semblants de consultation. Consulter de façon honnête. Il s'agit de tenir le coup, là, puis c'est pas parce que monsieur un tel du haut de son bureau qui commande à ses bureaux d'avocats de poursuivre une petite ville, ou bien non, qui a conseillé tel promoteur, blablabla, tout ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. À date, on a réussi à les bloquer, puis je pense qu'on peut gagner. On n'a pas de problème.